Thank you very much. I'm glad my colleague from the airports is still here, because I had a question for him. One of the things he spoke about this morning was the vision of the French airlines seeing this France as being the center, just connecting to the French islands, and now having a further vision. But is there a trade barrier? I know we have open skies with respect to France, but do you have a trade barrier in connecting into the rest of the Caribbean? And do you and if that's so, what are you doing about that? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est vrai que à l'intérieur des pays caribéens, on a effectivement un problème de droit de trafic, si c'est bien ça la question. Un problème de droit de trafic entre la Martinique, je pense avec la Guadeloupe également, avec les autres pays de la Caraïbe. Aujourd'hui, ces droits de trafic sont régis par l'administration, donc, notamment de l'aviation civile, et qui... j'ai un exemple très précis en tête, je m'étais un peu élevé contre ça. C'est que je m'appelle la compagnie Saint Vincent and Grenadine Airways avait demandé un certain nombre de touchés pour venir en Martinique. Et l'aviation civile a restreint ce nombre de touchés au prétexte de la réciprocité des compagnies françaises. Or, sur la ligne qui souhaitait être desservie, en l'occurrence Saint-Vincent, Fort-de-France, il y avait aussi Bécoué et autres, il n'y avait aucune compagnie française. Il n'y avait aucune compagnie française qui pouvait apporter cette réciprocité. Donc il y a un problème, donc, effectivement, donc, de limitation de droits de trafic et donc de possibilité pour nous de commercer avec et d'avoir des liens avec les autres pays de la Caraïbe qui tient à une réglementation. Ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un d'autre. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à quelle est la réglementation à l'intérieur donc, des pays de la Caraïbe. Comment peut-on donc faire en sorte qu'on ait du open sky sur l'ensemble de la Caraïbe. Il y a un autre dossier en ce moment qu'on est sur lequel nous sommes pour être... enfin, pour ne pas trop en dire, c'est un peu confidentiel pour l'instant, mais par exemple pour le Brésil, pour aller au Brésil, on est limité par l'accord aujourd'hui France-Brésil, limite nos possibilités à partir de la Martinique dans un rayon qui ne va pas jusqu'à Rio, qui ne va pas jusqu'à Sao Paulo. Or, c'est là où est le business aujourd'hui. Et alors, heureusement que l'Union européenne a repris donc les discussions avec l'autorité aéronautique de Brésil pour permettre de casser cette barrière et permettre à une compagnie, il y a un projet, mais c'est un peu tôt pour en parler, pour nous permettre d'être liés au Brésil, aller jusqu'à Sao Paulo, jusqu'à aller à Rio. Donc, on a un contexte réglementaire, effectivement, qui est une barrière aujourd'hui qui nous permettent de... Alors, je n'ai pas eu le temps ce matin d'évoquer tout cela, mais ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais est-ce que je peux garder le micro 2 minutes? Bien sûr. Sur l'intervention de M. Monietti. Il ne faut pas qu'on ait peur de nous-mêmes aussi. Il ne faut pas qu'on ait peur des investisseurs caribéens. Il le sait, M. Monietti. Parce que quand les Trinidadiens sont venus... Il y avait une peur de nous, une peur des Martiniquais et de certains milieux martiniquais parce que des Trinidadiens venaient investir en Martinique. Ça, il faut le dire. Et je peux dire parce que, bon, c'est un projet que j'ai suivi bien avant M. Monetti, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, je suis adjoint au maire de Fort-de-France et avec Serge Letimé, on a été tout à fait au début. Et les premiers contacts qu'on a pris avec M. Lockjack et la RBTT et la Guardian à Trinidad... Ben, quand on est revenu, ben, on nous regardait et c'était pas bien vu. Donc ça, il faut le dire. Si on veut commercer, c'est dans les deux sens. Il faut qu'on accepte qu'il y ait des Caribéens qui viennent investir chez nous et qu'il ne faut pas qu'il y ait de peur.